Bonjour, 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 bonjour mesdames et messieurs, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à toutes et à tous dans Heroes of the Storm, c'est Biff, et aujourd'hui on rejoue. Joue Medivh, mesdames et messieurs, oui, ce que vous avez vu, il y a eu un patch, il a été modifié, et maintenant son Q spell redonne plus de mana, donc 50 au lieu de 30, hein, si vous touchez un héros, ce qui est fou. Vous faites plus de dégâts, donc 200 points de dégâts au lieu de 180, ce qui est formidable. Et vous avez son temps de recharge qui est encore plus diminué si vous touchez un héros. Donc c'est vraiment fou, et son temps de recharge de base, je crois, a été changé aussi. Donc vraiment formidable, un héros qui change la vie, qui change les choses, qui change le monde. Enfin, on va voir tout ça. On va prendre... la durée de portail 50%, non, on s'en fout. On va faire quoi? On a un Léoric qui va se TP, on a Zeratul qui va se TP, on a juste Uther qu'il faudra sauver. Et éventuellement, on a deux Fufu, ça c'est nul. On n'a pas une team de fou folichon, mais bon, on va s'arranger. On va prendre l'intelligence du corps. Bon, on va regagner du mana, ce sera très bien. Voilà, on va aider Zeratul. Zeratul. Et on va tapoter. Regarde, on va tapoter, maintenant on peut le faire. Oh, regardez ces dégâts de Medivh là. C'est fou hein, ce qui nous arrive. Voilà. On a fait. Oh, on est premier aux dégâts. Voilà, c'est la première fois du monde. Ah oui, et vous avez aussi ces auto-attaques, mesdames et messieurs. Les auto-attaques de Medivh ont été accélérées. Maintenant, il fait plus d'auto-attaques. C'est fou, non? Et elles font plus mal. Donc, vraiment, le héros a été up parce qu'il était absolument inoffensif, ce pauvre homme. Ce pauvre Medivh, hein, l'inoffensivité d'un héros qui malheureusement s'est fait avoir par les joies de l'apparition dans le Nexus, bien sûr, hein, bien sûr, bien sûr. Mais bon, maintenant on voit que il a pas mal changé, qu'il est toujours aussi rigolo à jouer. Moi j'aime beaucoup Medivh, hein, je trouve ça vraiment sympa. Le seul inconvénient majeur, c'est que vous voyez là on est 1 contre 2 et 1 contre 2, ça ne marchera pas. Alors le premier dragon de la partie, alors, un dragon vraiment très tôt. Et pourquoi pas un dragon aussi tôt? Les ennemis sont vénères. Ah oui, il y a trois personnes en bas. Bon, attendez. Qu'est-ce que... On va taper ça. C'est pour aider Zeratul hein, qu'on fait ça. On sait qu'ils pourront pas trop push en haut pour l'instant. Ils sont déjà pas mal en avance, hein, bien sûr. Et ça, c'est un peu chiant. Fuyons tel un corbeau. Fuyons tel un corbeau. Le dragon a pas fait trop de dégâts. Ce qui va être chiant là, c'est Gazlou. On va demander un petit peu d'aide. Voilà, on se TP derrière. Et on va focus la Momorales, hein, voilà, qui a pris son tarif. Qui a pris son tarif. Vous voyez, on est pas mal en dégâts. On est à 3900. C'est plutôt bien. Vision acérée. On va prendre ça. J'aime bien ce talent. 3900, c'est pas mal. Hein, franchement. Ça pourrait être bien pire. Alors venez, on va aller là. Je vous emmène. Je vous emmène avec moi. C'est pour ça que je vous dis venez. Vous suivez le Medivh, mesdames et messieurs. Vous suivez totalement le Medivh. Le grand. Je kiffe jouer ce perso. On a vraiment l'impression d'être le gardien d'Azeroth, hein. Là c'est formidable, on est un Medivh des plus sympathiques. Léoric il était bourré là-dessus. Mais ça arrive, mesdames et messieurs, ça arrive les gens bourrés, c'est quelque chose qu'on peut faire. Ah, est-ce que ça... Non, ça défufute pas, j'aurais dû prendre l'autre. Vous voyez, j'étais un peu bête. J'aurais dû prendre totalement l'autre talent. On va poké. On poke. Hop. Elle a plus de mana, elle. Bah go. Munition. Munition, là, les copains. Oui, on fait des dégâts. Alors, Mehdi fait des dégâts, mesdames et messieurs. C'est ça, j'en reviens pas. Je ne vous le dirai jamais assez. On fait des dommages, bien sûr. Crois que je suis où? Je suis là en fait, mon gars. Eh ouais. Eh ouais, j'étais là, mon gars. C'est trop bien. C'est trop marrant à jouer. Medivh, c'est trop drôle. On va lui mettre ça, hein, le temps qui. Oh! On va essayer de. Oh oui! Non, on pourra pas, malheureusement.
On va essayer de sauver des gens là sur cette partie, mais. Ah si, ça marche. On met des choses dans des visages. C'est bon, ça le fait! Alors on va prendre la charge arcanique, mesdames et messieurs. Pourquoi? On va essayer de pas mourir. On aurait pu prendre l'autre, mais je préfère la charge arcanique, je trouve ça plus sympa, plus pratique. Toujours premier aux dégâts. C'est la première fois que j'arrive à faire un tel exploit avec l'ami Medivh, je suis très content. Je pense que cette modification par le patch était vraiment nécessaire parce que le personnage souffrait d'un cruel manque de dégâts. Il est très fort, Medivh, mais le problème c'est que il y a des moments où il est totalement inutile. Medivh peut pas vous apporter de burst par exemple. Qu'est-ce que je veux dire? Alors que d'autres persos peuvent carrément. Alors par contre, non, 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 on est au-dessus d'un. On lui a donné un petit sursis. Alors, on va mourir, mais on a sauvé. On va mourir, mais on meurt en sauvant Uther. Par contre, on est premier aux dégâts. C'est un peu dommage, si vous voulez, parce qu'on perd énormément sur les autres héros. Mais bon, c'est une jolie partie. On a fait un beau fight. Là, c'était vraiment vraiment sympa. J'ai bien aimé ce combat. On aurait pu essayer de juke. Vous voyez, au moment où j'ai hurlé parce que j'ai mis ma bubule, ma force de la volonté au dernier moment. J'aurais pu peut-être mettre un portail et donc aider les copains. Mais voilà. Alors là, il faudrait qu'on défende. Malheureusement, j'y vais. Y a personne. Par contre, je compte pas te le laisser le prendre. On va la fight dans les creeps, hein. Elle a envie de jouer à ça, et eh bien, tant mieux. Ah, voilà, on fait claquer un ulti, hein, quand même. J'ai envie de vous dire un petit ulti de Johanna qui pourra pas nous go, c'est toujours ça de prix. On va essayer d'aller là. Ça marche, regardez. Non. Je suis toujours là, ma grande. Tu vas faire quoi? Trop vénère, regardez. Regardez comme elle est trop vénère! Elle en peut plus, le gardien de Tirisfal qui lui court après. Tiens! Tirisfal dans ta gueule! Tiens! Formidable! Et voilà. Allez hop, Tirisfal dans ton visage. J'aurais dû la tuer, ça aurait été sympa. On s'en va maintenant. Vous avez vu comme c'est trop bien maintenant? C'est fou, hein? Là, vous allez me dire, oui, c'est déjà bien avant. Non, 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 attendez. Trop génial. Et là, oh, regardez, on va arriver. Regardez, regardez. Regardez. Mouton! Ah, merde. On a voulu. J'ai essayé de faire mouton et de me jeter dans la mêlée. En fait, je suis mort comme une merde. Mais je vois bien. Vous en faites pas, tout va bien. Tout va très très bien. En fait, c'est un peu la cour de récré là, vous voyez? Les gens sont en train de se fighter n'importe où. Personne ne faisait attention, voilà, les gens sont placés n'importe comment. C'est pas grave, mesdames et messieurs, le but du jeu, c'est que vous voyez à quel point Medivh a été modifié et vraiment sympa maintenant. Il était déjà très fort, hein, bien sûr, je ne dis pas le contraire. Je vous dis juste que il a vraiment eu un up hyper bénéfique. En plus, le dragon est compté comme un héros, donc on va pouvoir le spammer comme un gros chacal des fougères. Regardez ça, regardez-moi ce truc de chacal des fougères. On va mettre un petit portail là-bas pour attendre, voilà, pour attendre les héros. Alors on va faire ça. On met des moutons. Le mouton, j'aime bien, ça force l'assassin à reculer, vous voyez? Ce qui est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal du tout. On va essayer de voir s'il y a du monde autour. Il y a Gazleux qui est en bas qui fait du nougat. On va aller dessus. Elle, tu es là. Bon, on tue ça. Ah, vous la tuez. Vous la tuez. Non, sérieusement. Non, tue-la par contre. Non, mon portail qui n'a pas marché! J'ai pas pu portailliser. Je me fais beaucoup tuer, voilà. Non, non, bon, en fait, on se fait beaucoup tuer, il y a quand même 8 loups. C'est un peu moche ce qu'on fait, cette partie n'a pas vraiment de sens pour l'instant. On va push something, hein, les guys, parce que sinon ça va être vraiment, vraiment handicapant. Handicapant, capant, capant. Il faut qu'on fasse des choses. Parce que là, sinon, le gazleux va être trop chiant. On a une team avec des contrôles, de quoi les buter, il faudra en profiter. Tété.
Non mais si le Uther joue les commandos d'élite là, ça va pas être... Bon, on a tué un type. Par contre, si le Uther joue les commandos d'élite, ça va pas aller du tout, hein. Là, mesdames et messieurs, c'est vraiment la misère. Par où elle passe? Elle redevient un fufu. Oh ouais. Non, elle va rester devant. Elle va rester devant. Elle va tirer, regardez, voilà. Génial. Ça, c'était sûr. Ils pensent qu'ils peuvent la tuer, pas du tout. Ils vont mourir tous les deux. Non, c'est bon. Alors ça, je voyais ça gros comme une maison, mesdames et messieurs. J'ai eu le temps de recherche de portail. On va prendre ça. Parce que on est vraiment dans le mal. Ce qui concerne les allers-retours. Les allers-retours. On va aller au sanctuaire du haut. Et on va aller ouvrir le chemin. Par le chemin. D'accord? On jette des Arcane Rift là. À tous les... Donc ce qu'il va faire, on va se mettre là, comme ça on peut pas claquer de technique. Il va rester là. C'est vrai qu'on est de l'aide. Qu'est-ce qu'il fait Uther? Mais Uther il est dans son monde. Il vit sa game hein, Uther là. Il est pas dans la même game que l'autre équipe. Notre équipe, pardon. Il est énervé. Un petit portail. Ah voilà! On a raté. Non, les tourelles. OMG, les tourelles. Moi j'ai plus de vie. C'est un peu moche ce qu'on est en train de faire, hein, mesdames et messieurs, c'est vraiment laid. Oh non, elle a raté, zut. On dirait nous quand on joue Nova, quoi. Impressionnant. Alors, il y a d'autres personnes. On les embête, hein, et... On est toujours premier aux dégâts, mesdames et messieurs, c'est très dommage, ça. Hein. C'est bien, ça vous montre que Medivh est pas mal, mais... On va prendre ça, parce que là, je sens qu'on va en avoir besoin. Je sais pas vous, mais... Mais moi, je sens que ça va être utile, là. Devant. Elle est là! Tuez-les! Non? Personne veut. Qu'est-ce qui se passe? Mesdames et messieurs, c'est. Ah, il est là. Voilà, on a couru, le jogging, mesdames et messieurs, le jogging. C'était très très bien, c'était formidable. Par contre, il y a les deux tourelles sur les côtés là. Ah oui, c'est bon, il y en a une qui est morte. Il faudrait qu'on chope les trucs qui restent. Bonjour. Aimez-vous les corbeaux? Bonjour. Bonjour. Bon, allez, on va aller reprendre des points de vie là. Cessons de déconner, mesdames et messieurs. La déconnade, ça va 5 minutes. Comme dit le poète, évidemment. C'est vrai que le poète dit souvent ce genre de choses. Défendons là par contre. Perdu un fort. Ça. Du cul. S'il prend celui du bas, on est bon. S'il le prend pas, on est foutu. Oh non, il va pas le prendre. On est foutu. On est foutu. Ah. Hop là! Les soins, mon gars! Putain, on est ça.
Ça aussi. Hop, ça va me soigner, c'est très bien. Alors, l'aider, sauver soldat Ratoul. Non! Oh la vache! J'ai transformé en mouton? Non, j'ai pas eu le temps. Oh non, il y a tout le monde là. Bah, dommage, soldat Ratoul. Et le petit marteau? Oh, ça aurait été trop marrant. Ils se prennent le petit marteau dans la cheville, genre. Oh non! Qui s'écroule. T'es là un vieux pancake des forêts. Je sais pas ce que fait notre ville, hein. C'est vraiment impressionnant. Il est premier en dégâts de siège. Alors vous voyez ça, c'est un type qui prend les choses en main. Il s'est dit, les gars, ça va pas du tout. Go go. Oui, on est quand même à 34 dégâts. Moi, je suis plutôt content. Ça remonte bien les dégâts de Medivh. C'est vraiment pas mal. Bon là, il y a eu une absence de fight. Hein. Il y a eu un passage où il fallait à tout prix qu'on surveille des zones avec le corbeau. C'était obligé. Ça met une certaine pression. C'était obligatoire. Obligatoire, comme dit le poète. Qu'est-ce qui... C'était formidable. C'était un combat d'infirme, mesdames et messieurs. Tout va bien, ça arrive. N'en faites pas. Ce sont des choses qui sont contrôlées, réalisées par des professionnels. Hein, évidemment, regardez cette technique. On se met à l'entrée de sa tombe et on embête le tank, puisque c'est un tank, hein, évidemment. Où est-ce qu'on va? Qu'est-ce qu'on fait? Qui suis-je? Où vais-je? Quelle étagère? Oh les copains! Tiens. Le gardien est là. Allez. Je vais prendre l'invisibilité. Rendre les gens invisibles. Est-ce que je peux le... Non. Oh non. Regardez, invisible. Tu vas faire quoi? Transformer en mouton, hein? Tu vas faire quoi? T'es un mouton, mon gars! T'es un putain de mouton! Eh ouais, il est invisible. Alors? Tu vas faire quoi maintenant? Le portail! Youpla! Oh, il m'a sauvé, il est gentil. Tiens! Oh, c'est trop beau ce qu'on a fait! Ce duo de heal, mesdames et messieurs! Sauvons-le! Voilà! C'est magnifique. Alors là, ce qui s'est passé, mesdames et messieurs, c'était trop beautiful. Voici celui-là avec la tourelle, voilà. Trop bien. J'ai aimé ce que nous avons fait. Uther est chaud du slip, hein. Vraiment un Uther chaud de son slip. C'est très très bien. On va regagner un peu de mana parce qu'on est Oum, on va le dire d'ailleurs. Oum. Oum les potes, on regagne du mana. Où êtes-vous? Alors on se fait une petite balade dans la base ennemie. Pour voir un petit peu ce qu'il en est, on est un corbeau hein, après tout. Les corbeaux, c'est comme ça. Les corbeaux, c'est comme ça. Voilà, Uther qui se régène. Voilà, un build intéressant, je pense. Pour ce Uther. On est là, hein, on est toujours, toujours très content. Regardez, on vole, croa croa, comme disait le corbeau. On est sympa, on est plumeux, tout se passe bien. Regardez ça. Bonjour. Alors, vous avez vu, hein, le mana, à quel point ça remonte, c'est trop bien. 18K de heal, c'est plutôt bien. Plus les 50K de Uther, on est bon. On va aller l'aider sur ce Campinou. Ouais, il nous le soigne. On le soigne en retour. C'est Ratoul qui s'est mis devant. Hein, ça, c'est le problème du point and click, mesdames et messieurs. Je sais, normalement, c'est un style de jeu. Mais j'aime bien dire ça. Parce que c'est l'action après tout. J'ai pointé et cliqué sur mon sort. Vous voyez ce que je veux dire? Formidable. Bon. Qu'est-ce qu'on fait? Regroup! Regroup! Il faut regroup. Ah, je le. Oh! Non, raté! Ah! Alors, est-ce que le fufu de Medivh peut fufuter les autres? Enfin, je veux dire, peut remettre des fufus dans leur fufu? Je ne crois pas. Mais ce serait formidable. Ce serait vraiment formidable. Alors, on n'était pas 5. Là, on n'était pas 5, vous voyez, typiquement. On aurait dû être 5. Mais on a survécu. Nous avons été beaux. Nous avons été vaillants. Nous avons survécu. Oh non.
Laissez-moi. Laissez-moi, vil gredin. On n'avait rien à gagner dans ce fight, oui, mais il s'est passé. Il s'est passé, mesdames et messieurs. Tant pis. Défendez au mid, là. Si personne défend au mid, ils l'ont, hein. Ça, c'est un fait. Voilà. Bah, c'était sûr, hein, mesdames et messieurs. C'est pas grave, c'est pas grave. Regarde, on va les défendre. Après tout, Léoric, et rien du tout. Voilà, formidable. Donc très bien, Léoric a décidé que il allait eh bien, faire n'importe quoi, donc qu'il le fasse, tant mieux pour lui. Alors vous voyez là le dragon typiquement il va à un endroit où il n'a pas forcément besoin d'aller, donc on va pouvoir le repousser, on a bien tout repush, c'est formidable, 46k damage, c'est bien, on est quasiment au même nombre de dégâts que Nova, bon, c'est formidable, pas pour elle hein, bien sûr. Ben si on... Non, on défend pas? On va peut-être défendre là. Ce serait bien de défendre. Faut défendre là les potes, sinon on a perdu. Eh ben on a perdu. Eh ben tant pis. Mesdames et messieurs, c'était... c'est dommage. Mais c'était une belle partie, vous avez vu des trucs rigolos. We lost, d'accord, Jesus, d'accord, ok. Bah, elle a perdu parce que parce qu'elle était au milieu et qu'elle n'a pas défendu, voilà. C'est tout. On perd ce qu'on a décidé de perdre. Voilà, c'est comme ça que ça marche, mesdames et messieurs. C'est comme ça que l'univers marche et continuera de marcher. Bon, c'est bien, on a fait des jolis trucs avec Medivh, on est content. Vous savez, on a fait beaucoup de dégâts, beaucoup de dommages. 46k, c'est vraiment bien. On a recollé aux fesses de Zeratul et Nova, donc c'est plutôt pas mal. On a fait plus que... Bon, Johannes, normal. On est loin des autres, hein, bien sûr, mais quand même intéressant cette nouvelle, ce nouveau patch qui rend honneur au petit Medivh. Hein. Et je pense qu'on pourra pas prendre la charge arcanique et prendre plutôt. Comment dire? Qu'est-ce que j'ai fait? N'importe quoi. Comment dire? Regarde, on va aller là, voilà. Prendre plutôt ceci, le toucher du maître qui en fait augmente de beaucoup les dégâts infligés par le sort et ça réduit son temps de recharge encore plus. Donc il faut tenir 30 coups sans mourir. Je pense que ça se fait bien avec des bons fights et tout. Je pense que ça se fait largos. Il faut essayer, faut voir vraiment. Voilà. Pour ce qui est du build, vous avez vu, hein, j'ai pris là l'intelligence du corbeau parce que je savais que on allait être beaucoup en corbeau, qu'il y avait des TP, des fufus qui allaient sauter partout, donc on n'aurait pas forcément besoin de la stabilité. Moi j'aime bien la stabilité. Celui-là j'ai pas trop, j'ai un peu de mal à l'utiliser ce talent, je trouve que ça manque de fluidité. Au moins celui-là, vous savez où vous allez le mettre, c'est plus sympa. C'est vrai que lui, vous pouvez, avec ce talent, vous pouvez bait, mais bon. Ensuite, j'ai pris. Bon, ça, c'est quand vous avez beaucoup d'auto-attaques en face, bien sûr. Moi, je prends la vision acérée. Ça aurait pu être vraiment très bien, puisqu'il y avait des fufus partout. Ce que j'aime bien avec celui-là, c'est qu'il augmente de manière permanente la zone que vous voyez avec le corbeau. Ce qui est vraiment très bien. Ensuite, bah là, je vous ai expliqué. D'habitude, je prends ça, Explosion des Arcanes. La précédente vidéo sur Medivh est faite avec ce talent. Sinon, j'aime bien ces deux-là. Celui-là, c'est celui que j'ai pris. Je le trouve très bien dans toutes les situations. Si vous mourrez un petit peu, si vous n'êtes pas très confiant, prenez-le. Sinon, si vous êtes sûr de vous, prenez ça. Et le Family Corbeau, ça peut être bien si vous avez beaucoup de gros auto-attaqueurs avec vous. Ce qui peut arriver, bien sûr. Là, j'ai pris la bombe métamorphique parce que je savais que c'était des fights dégueux où tout le monde était paqué. C'était sûr que ça allait pouvoir marcher, sinon le saut tellurique c'est bien avant les fights. C'est un peu comme un ulti de barde pour ceux qui jouent à League of Legends. L'avantage c'est que vous bloquez tout le monde avant que le combat se déroule, ce qui est plutôt intéressant pour votre équipe. Voilà. Ensuite, j'ai pris la vivacité pour mettre plus de portails et pouvoir fuir, ce qui est bien. La projection astrale c'est pas mal si vous avez des grandes zones à couvrir, des mecs qui sont très loin dans les fights pour aider vos assassins à les atteindre, ça se fait aussi. Là j'avais pris ça parce qu'on n'avait pas vraiment de heal, hein, Uther était jamais là. Sinon vous pouvez prendre, les trois sont bien. Mais celui-ci est moins dur et plus dur à utiliser puisqu'il vous faut beaucoup de héros mêlés et encore qu'ils soient collés. Et contre des héros du jeu, être collé c'est pas forcément une bonne solution donc à voir. Celui-ci il est très bien parce que vous avez plus une force de volonté plus longue. Si vous savez pas la claquer bah, c'est toujours utile. Et celui-ci, la réabsorption c'est bien parce que ça vous met du soin. Donc quand vous êtes tout seul sans votre heal ça peut toujours aider et ça peut pallier des burns donc c'est très très bien pour le dernier niveau. Moi j'aime bien la visibilité, vous voyez je la claque un peu n'importe comment, c'est vrai. Celui-là il est bien, mais maintenant il est plus forcément très utile dans une optique de push, mais bon c'est tout. Sachant que vous pouvez très bien
Quand vous êtes à côté d'une lane de creep, touchez un héros avec ça, et puis le suivant va one shot la lane de creep, ou alors vous avez fini votre quête et tous les shots des arcanes là toucheront tous les fire arcanes feront suffisamment de dégâts au creep pour que vous ayez plus qu'une seule auto-attaque à mec, donc à mettre, donc pas forcément hyper utile, sauf si vous prenez du coup le build avec l'explosion des arcanes par exemple, ou avec un build portail ou des choses comme ça. Pour ce qui est de l'élimination des arcanes, j'aurais pu le prendre là, ça aurait pu être sympa, mais on n'était jamais paqué, donc pas forcément tip top tip top. Voilà, j'espère mesdames et messieurs que cette vidéo vous a plu, en tout cas, n'oubliez pas, vous pouvez aller sur BEAF, BEAF, comme c'est écrit en haut à cette gauche là, regardez, cette gauche là, là-haut, là-bas, oui, c'est la main droite et je monte la gauche, voilà, sur cette gauche là, BEAF, tiré du 6, H majuscule, OT minuscule, S majuscule, BEAF HOTS, et sur Facebook, vous avez toutes les vidéos qui sont arrivées, bien sûr, hein, et si vous voulez les consulter, il n'y a pas de souci. Vous pouvez les commenter, les partager, les liker, vous faites ce que vous voulez, c'est pour vous, puisque moi je l'ai fait, je m'en fiche, voilà, je l'ai fait pour vous, donc n'hésitez pas non plus à me dire si il y a des choses que vous voulez voir changer, ou réadapter, ou modifier, des vidéos que vous voyez avant, et que vous aimeriez revoir, bien sûr, beaucoup de yéyé dans cette phrase, hein, évidemment. Quoi qu'il en soit, n'oubliez pas, je vous aime, vous êtes les plus beaux, et puis à la prochaine, salut!